Bien, bonjour Twitch, bonjour YouTube. Bonjour. Bonjour YouTube. Pour la première fois, bien entendu. Donc, on se retrouve donc aujourd'hui pour le dernier épisode de DCP Adventures Live pour la campagne de, d'Edward Crane. Avec moi, j'ai donc Watchful, Sledgy et Just Frog. Comment allez-vous? Ça va très bien, et toi? Ça va. Ça fait tellement longtemps, ça fait genre 10 minutes. Oh là là. Ouais. Ah là là, qu'est-ce que j'ai hâte de continuer ce live JDR. Oh là là. Ah ouais, ça faisait longtemps. Dis-moi Howard, qu'est-ce qui t'est arrivé dans cette superbe journée? Tu nous as pas raconté, hein, parce qu'on vient de se voir. Non, on n'a pas le temps. Quoi. Donc, oui. Pour récapituler ce qui s'est passé dans les derniers épisodes, puisque ça fait un bon moment, notre groupe de détectives de Gotham Investigations sont partis à la poursuite du maire de Gotham, Edward Crane, qui a des plans assez machiavéliques de contrôle de la ville, on dirait-nous. Et donc, après moult péripéties et moult échecs de votre part, vous vous êtes retrouvé un peu dépourvu. Et donc, après avoir fait exploser un manoir, après avoir abandonné une petite fille à son sort, après avoir échoué une tentative d'infiltration du Iceberg Lounge, vous ne saviez plus trop quoi faire, vous étiez retourné au bar des All Americans. On est bon quand même. Vous êtes très bon. On est bien badass. Hein, J'ai des souvenirs de tout ça qui me reviennent. Ouais, dans la fumée de mes cigarettes, je vois quelques flashbacks. Je me souviens surtout de magnifiques coups d'éclat, hein, pas de ces échecs. Tu vois, lui il parle d'échecs, mais moi j'y release Lockhart's Scott, hein, parce que moi c'est que des victoires là. Moi, soudainement, je me rappelle le moment où Thomas Lockhart était déguisé en Black Mask et que moi je fais Thomas. Je pense que j'ai jamais été aussi malin de toute ma vie. Ah, ce moment était fantastique. Tu vois, caractéristique malin sur 100, il a 1 sur 100, le gars. Ouais, clairement, je suis les muscles. N'oubliez pas. Donc, pour les points de vie, on a dit. Just, tu as 4 points de vie, c'est ça? Oui. C'est G, donc t'en avais perdu 1, il me semble. Donc ça fait combien? C'est fort possible, ouais. Donc ça fait 10. Ça fait 10. Watch, il me semble. Alors moi, je suis plus sûr, mais on n'en récupère pas, en fait. Si vous trouvez quelqu'un pour vous soigner, à un moment, vous pourrez les récupérer, mais là. Ouais, mais en dehors de ça, en fait, c'est non. Ouais. Je sais plus si j'étais à 8. Je crois que j'étais à 8 ou 9, un truc comme ça. T'as combien de points de vie de base? 12. Ouais, t'étais, on va dire, 9. Ok. Ok, donc, le patron des All Americans vient vous voir. Brock Winters, si je dis pas de bêtises, un doute. Oui, Brock Winters. Il vous dit, bon, ça a pas été glorieux hein, chez le pingouin. Mais j'ai peut-être un plan pour vous. Ah, très bonne chose ça. Venez, suivez-moi dehors. Enfin, allez-y, passez devant déjà. Il appelle quelqu'un, il lui dit mène-les là où on doit aller. Donc, vous sortez du bar et qui sort en premier? Les muscles qui sortent. Très bien. Le mec qui démonte son costard, il sort les muscles. Les muscles d'abord et mon cerveau après. Très bien, Howard, fais-moi un jet de perception. Allez, c'est parti. Alors, combien j'ai en perception? Faut que je me refamiliarise avec... perception, j'ai 50. Ça va. Tranquille. Ouais, une chance sur deux. 22. Donc, lorsque tu commences à sortir du bar... Tu vois des voitures noires que tu as déjà vues auparavant. Et bah, ça te dit rien qu'il va être... Il y a une bonne dizaine de voitures avec des personnes à l'intérieur qui vous regardent sortir. Hmm. Je me rappelle, il y avait un moment où on avait vu des voitures noires. Tout à fait, bah, c'était devant le club du pingouin. Ouais. Ok, donc faut faire attention. Il y a du grabuge qui se prépare. Donc qu'est-ce que vous faites?
Vous sortez ? Moi, je continue à sortir, hein, je peux. Très bien. Ouais, bah, je suis. Alors, bah, vous... Je guette la voiture noire, mais je... Ah, je t'ai pas dit qu'il y a une voiture noire, il y en a une dizaine. Ah oui, bon. Ouais, donc... attends, alors une dizaine divisée par 3, ouais, si on s'en fait 3... Si on s'en fait 3,3 chacun, ça, ça va. 3,3333333. On est perdu. Lorsque vous sortez tous les 3, une bonne vingtaine de personnes de gardes armées sortent des voitures. Et vous voyez derrière vous les All Americans qui vous font barrière, en fait, vous empêchant de tout retrait. Et vous pouvez voir Brock Winters qui se dirige vers une des personnes qui sortent des voitures, qui lui passe un truc. Bah le garde qui sort de la voiture lui passe ce qui semble être un espèce de flacon. Et il lui serre la main en vous montrant de l'autre main. Ah, le bâtard. Ok, je sors la main. Ah, il faut qu'on se barre. Alors on est bloqué de tous les côtés. Tu peux sortir. Je baratine en leur faisant croire que j'étais dans le coup. Mais tu veux baratiner qui? Je sais pas. Les deux. Les deux, je leur fais croire que j'ai... Tu vois, le mec des All Americans, je lui fais croire que j'étais dans le coup avec l'autre gars. Et l'autre gars, je lui fais croire que j'étais dans le coup avec les All Americans. Ok, si tu fais un, ça peut marcher. Si je fais un? Oui, si tu fais un. Tu vas être impressionné, mon gars. Tu vas être impressionné parce que j'ai que des dés de 1, moi. Mais si tu fais 1... Mais c'est 1 sur combien? Bah sur 100. Sur 100. Là, ça fait beaucoup, là, quand même. Tu fais 1 sur 100, c'est bouteille de champagne à la prochaine convention. 10 Mais non. Mais non. Mais ça devrait compter. Bah oui, donc, quand même, là. C'est... Donc, même si ça échoue, qu'est-ce que tu fais, alors? Tu vas vers Brock Winters? Alors, en fait, comme je sais que je risque ma vie ce soir... C'est un peu chaud. Je vais un petit peu fermer ma gueule et rester discret. Ah non, t'as fait une action, tu vas jusqu'au bout. Ah, coup, j'ai fait une action, une action de 10. Alors, ouais, bah, mais... je suis désolé. Donc, le gars qui était à côté de Winters fait un signe vers un autre mec qui vient te choper par l'épaule et te balance dans une des voitures. Ah, ça va, je m'en sors bien. Tandis que vous deux, l'étau commence à se refermer autour de vous. Oui, moi j'ai mon flingue sorti, je dis n'approchez pas. Ouais, mais autour de toi, t'as 20 mecs avec des mitrailleuses. Mais à quoi bon? À quoi bon? Même les muscles, ils sont en mode. Oh, on s'en sort, arrête. Un rideau là. Tu te laisses choper, toi, Howard, alors? Ouais. Ok, donc. Tu suis Thomas dans la voiture. Donc Owen, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pointe mon flingue vers le chef, là-bas. En fait, tu peux même pas vraiment pointer dessus, parce qu'ils t'ont vraiment entouré, quoi. T'as derrière toi les All Americans, qui font un demi-cercle, et devant toi, les autres, qui font un autre demi-cercle. Ok, je m'en fous. Vous nous voulez quoi? C'est pas le fou. Donc, t'as celui en face de toi qui dit, bon... Tu vas baisser ton jouet là et tu vas monter dans la voiture tranquillement. Non, je le baisserai pas tant que j'aurai pas mes réponses. Ok, donc il tire à côté de toi. Bah moi je tire à côté de lui. Mais, alors les pulsions suicidaires c'est censé être moi, tu sais. Hein, est-ce que tu veux vraiment jouer avec tes 4 points de vie? Je joue pas. Enfin si je joue, mais... Bah c'est trop tard, j'ai tiré à côté de lui. Ok, donc il commence à s'approcher de toi, toujours fusil pointé vers ta tête. Oui, si. Bon, vous nous voulez quoi? Mais t'as mort. Non, il ne te tuera pas. Il te tuera pas, mais il peut te tirer dans le pied, par contre. Bah, moi, je peux lui tirer dans la tête. Et putain. Bon, bah, je vais faire un jet. C'est censé être le cerveau de l'équipe, j'ai l'impression qu'on joue avec Sid, là, c'est pas... il va se faire défoncer. En effet, il touche ton pied.
Bah super, ah. Bah contre, et bah je lui tire dessus, j'essaie de viser au pif. Alors je sais pas si je peux applaudir depuis la voiture, mais je l'applaudis. Donc si tu veux essayer de tirer, tu vas me faire un jet avec un malus de 20. Ok. Mais arrête. Dans la voiture de la loose là, c'est... Je suis à moins 4. Oui, t'as raté. Oui. Ok, bon, tu... Ah non, c'est 16, attends. Bah oui, c'est réussi. J'ai rien dit, je suis à 40, donc ça passe, 36. Ça passe, donc tu touches le mec qui vient de te tirer dans le pied, dans l'épaule. Il grogne. Et les autres mecs autour de lui s'avancent vers toi. Et t'attrapent. Bon. Moi je tire dans le tas, je m'en fous. Ah mec, t'es à terre, il y a 10 personnes qui sont en train de t'attraper. Tu veux pas te faire tirer. Comment on va faire si on finit l'enquête à deux? On va jamais arriver au bout, sérieux. On peut pas le ressusciter, Owen, après. Hein. Ah non, ce n'est pas dans ce monde-là. Des vaudous, un truc comme ça, des... Et de Lazare. Comme ouais, toutes les séries Batman. Bah oui, bien sûr. Non, là, t'es mort. Hein. Tu peux plus leur tirer dessus. Ils t'ont chopé. Bah c'est bon, je les laisse. Tu m'enlèveras 2 points de vie aussi pour ta balle dans le pied. Un pied, c'est 2 points de vie. Oh, c'est pour ton autre cuisson. Attends, mais Howard, il a perdu plus de points de vie contre une chaise. C'est sérieux. La chaise, elle avait quoi? Une MG42, un truc comme ça. Ouais, mais il me semble que Howard avait fait un échec critique. Oui. Ah. Et la chaise avait des bouts pointus. Effectivement. Donc, vous êtes bâillonné, masqué et emmené dans les voitures. Alors, je peux dire que ça me rappelle des souvenirs. Effectivement. Grosse soirée. Le temps passe, vous savez pas trop combien de temps, vous perdez un peu la notion du temps. Vous sentez juste qu'au bout d'un moment, la voiture s'arrête et vous êtes poussé. Et on vous amène à l'intérieur d'un bâtiment. On vous assomme. Avant. Ah ouais? Ouais, ouais. Et le premier de réveiller, c'est toi, Owen. On te réveille avec des petites claques. Il perd 2 points de vie là-dessus, non? Et non. Une douleur au pied aussi. Mais, donc, Howard et Thomas, je vais vous laisser de côté pour l'instant. Ok. Au revoir. Hop. Bien. Donc tu te réveilles, tu es dans ce qui semble être un salon, tu vois au fond une cheminée, tu es assis sur une chaise en ferraille, les poignets attachés par des liens en nylon là. Et tandis que tes jambes sont aussi ligotées par une corde. Et en face de toi, devine qui c'est. Jean-Jacques Goldman. Pas du tout. C'est le maire de Gotham, Edward Crane. Oh, étonnant. Donc, il a un grand sourire, il s'approche de toi et te dit « Monsieur Lowe, on se revoit enfin en personne. » Ah, bonjour, monsieur Crane. Vos gardes n'ont pas été très sympathiques avec nous. Oui, mais vous avez tiré dans l'épaule d'un de mes gardes. C'est lui qui a commencé. C'est vrai. Ah, j'ai gagné. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, monsieur Lowe, pour tout à fait franc, je dois dire que vous m'avez grandement déçu. Ah, expliquez-moi tout. Expliquez-moi votre plan de vilain. Non. Mais disons que je ne vous ai jamais respecté en tant que policier parce que vous étiez franchement mauvais. Mais je pensais au moins pouvoir vous respecter en tant qu'être humain. Mais après que vous ayez laissé une petite fille innocente se faire tuer, vous réussissez toujours à vous regarder dans un miroir. Alors que c'est vous qui l'avez tué ? Attendez, c'était vous le grand défenseur de la justice, hein, pas moi. Moi, je m'en fous de la justice maintenant. Vous l'avez assez niqué, la justice, dans cette ville. Moi, maintenant, ce que je veux, c'est vous. D'accord. Donc, vous êtes. Donc, vous, petit groupe, là, vous êtes des mauvais enquêteurs, mais vous êtes aussi immoraux. C'est vraiment une banque de clowns. Ça se voit que vous les connaissez pas. Hein. Vous l'auriez su avant. Très bien. Bon, dans votre médiocrité, vous avez quand même apparemment réussi à faire une chose intelligente en m'enregistrant. Et donc, je voudrais savoir, monsieur Lowe, où est ce fameux enregistrement? Ah bah, vous savez où il est, hein. Je l'ai donné à cette chère journaliste que j'ai rencontrée précédemment. Non.
Non. Non, quoi? Je sais que ce n'est pas Vicky Vale qui a l'enregistrement. Ah, mais pas celle-là, journaliste. Quel journaliste, alors? Ah bah ça, j'ai aucune raison de vous le dire. On a une petite derrière vous. Il claque des doigts. Et tu vois un mec qui s'avance avec divers outils dans une caisse. Et il te dit, bon, monsieur Laurent, on peut faire ça doucement ou on peut faire ça violemment. C'est à vous de choisir. De toute manière, si je vous parle, je meurs. Oui, mais vous savez, on peut mourir d'une façon horrible ou d'une façon plutôt gentille. Très bien. Alors, je veux bien vous le dire, mais on va avoir un problème. Ok, donc garde-moi ça de côté, je vais voir les autres. Bien, Howard. Ah. Tu te réveilles, tu es attaché à un radiateur dans une salle de bain. Tu es seul, donc tu es attaché par une monotte. Et devant toi, tu as une baignoire et sur le côté, une fenêtre condamnée. Ok. C'est que j'ai vu Saw, hein. Je sais comment ça va finir, cette histoire. Il y a personne d'autre. Il y a pas... D'accord. Il y a pas quelqu'un en face de toi. Des personnes sur le sol. Non. Ok. Est-ce que tu essayes de faire un truc Qu'est-ce que je peux faire? J'essaye déjà de forcer un peu la menotte, voir si c'est solide ou pas. Ok, fais-moi un jet de force avec un petit malus de 10. Ok. Alors, en force, j'ai 70, donc on va dire 60 si je ne m'abuse. C'est faisable. Rolling the dice. C'est quand il veut. Ah, il roule longtemps ces dés. Je les ai fait tomber par terre, je crois. Je crois que j'ai plus vite à aller chercher mes vrais dés, je crois. 56, c'est réussi. Tout pile. Hein. Tu arrives, le radiateur est un peu lâche et t'arrives à le casser. T'arrives à casser l'espèce de tuyau où était attachée ta menotte. Ouais. Et donc, tu peux te lever. Ok, je vais voir à la fenêtre ce que je peux voir. C'est une fenêtre condamnée par une planche. Merde. Ok. Je vais fouiller un peu la pièce, ce qu'il y a dans la baignoire par exemple. Tu sembles être dans une espèce un squat. T'as quelques seringues dans la baignoire, mais pas grand chose d'autre. Ok. Donc il y a une porte qui est fermée ou... Il y a une porte, ouais. Je ne sais pas si elle est fermée ou tout. Mais je vais essayer de l'entrouvrir. Ok. Un petit peu. Tu l'entrouvres. Tu vois en face de toi un couloir avec plusieurs pièces qui sont sur les côtés. Au fond du couloir, tu peux voir un garde. Et si tu tends l'oreille, tu peux entendre des bruits de discussion à ta droite. Ok. Donc le garde, il est au fond du couloir, donc si je sors, je me fais choper, quoi. Il faudrait que tu réussisses un jet de discrétion, quoi. Discrétion, je suis pas chaud. Ou que t'arrives à la tirer d'une façon ou d'une autre, mais ça va être compliqué. Vaut mieux que j'utilise mes atouts. Est-ce que je peux utiliser la barre du radiateur que j'ai un peu explosé pour faire du bruit dans la baignoire pour attirer le garde? Genre je l'attends derrière la porte, puis quand il rentre dans la pièce, bon, en soi, j'essaie de l'assommer. Juste avec tes menottes, tu peux faire du bruit contre la baignoire. Hein. T'as même pas besoin de... Ouais, ou peu importe, quoi, mais un bruit qui l'attire. Oui, c'est complètement faisable. Il va venir attiré par le bruit, et on verra tout à l'heure ce qui va se passer ensuite. Je vais voir Thomas. À tout de suite. Ça marche. Bien, Thomas. Tu te réveilles, tu es attaché, menotté, à un lit en ferraille. Oh.
Et autour de toi, il y a ce qui semble être, ou ce qui était plutôt, une chambre pour enfants. Le lieu ça c'est moins mon délire. Ouais, le lieu est complètement délabré. Ça a tout l'air d'être un squat. J'ai connu des hôtels pires que ça. Ça ne m'étonne pas. En face de toi, t'as un mec appuyé contre un mur, l'air assez détendu, il est en train de s'allumer une cigarette. Ah, ça c'est pas mon délire non plus. Hein. Est-ce que tu essayes de faire quelque chose ? Je lui demande s'il a pas une clope. Il te regarde. Et il te passe une clope. Super. C'est tout ? Bah je lui demande s'il a du feu quand même parce que oui mais il l'allume, c'est bon. C'était, okay. C'était évident. Alors attends, je regarde un petit truc. Ouais, je suis mauvais. Je suis très mauvais. Mais je vais rien faire. Très bien, tu peux taper et discuter avec lui si tu veux. Ok, bah oui, bah, je parlais avec lui. Alors, on a eu un passé difficile. Écoute, ça va, hein, on n'est pas trop mal payé. On peut taper autant de personnes qu'on veut. Combien ? Combien quoi ? Combien t'es payé ? Oh bah... disons que ce que je me faisais en gardant des centres commerciaux, bah je l'ai triplé. Oui, mais ça c'est facile aussi. Mais après tu tapes combien de mecs si c'est ton délire de taper des gens ? Autant que je veux, genre si j'ai envie de te frapper, bah je peux le faire. Oui, oui. Et je suis pas vraiment en position de contrer. Mais tu vois, c'est pas marrant ça. Ah, tu sais ce qui est marrant ? Tu sais ce qui est marrant quand tu tapes des gens ? Non. Bah c'est de te foutre de leur gueule avant de les frapper. Genre... tu arrives à bluffer les gens pour leur casser la gueule. Et le pire, c'est quand tu arrives à entraîner les personnes dans un délire total. Parce qu'au final, ce qui est marrant de taper les gens, c'est pas de les taper, c'est de les taper à plusieurs. Il te suit pas, mais continue. Est-ce que t'as entendu parler du gang des pirates ? Non. Et bah voilà, tu vois, ça c'est un super groupe qui est en pleine phase de développement. Donc côté pognon, on commence à se poser bien. Et côté délire, on est très 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 fort. Parce qu'en fait, on fait des trucs que personne ne fait. Ça c'est le genre de truc pour taper les gens, y a pas mieux. Y a pas mieux parce qu'on est tous dans le même délire. Et on fait des choses que personne d'autre ne fait. On a des spécialités. Oui, ok. Et Et bien justement, j'aimerais bien savoir si ça te dit de pouvoir rejoindre ce gang des pirates. Parce que je vois que du coup, bah, on est un peu pareil. Ah ouais, mais non. Ah bah non. Bah pourquoi non ? Parce que je vais pas quitter le gang du maire pour aller chez... je sais pas qui, là. Ouais, mais tu sais pas qui. Tu sais pas qui parce que tu sais pas qui c'est. Ah non, mais ça m'intéresse pas. Ah, tu sais pas ce que tu rates. On a des mecs influents, mais... C'est ça. Et réfléchis à quel autre mec influent tu pourrais lui le tenter avec. Ah, tu connais un petit Bruce Wayne ? Tout à fait, on verra ça tout à l'heure. Bien, donc, on reprend. Oui. Où est l'enregistrement ? Alors... je veux des garanties. Dites toujours. Qu'avez-vous fait de mes deux collègues ? Ils tournent la tête. J'entends pas de cris, donc ils vont bien. Je me doute qu'ils vont bien. Parce que c'est un moyen de pression sur moi. Ah, parce que vous occupez de la vie des autres maintenant. C'est pas les autres, c'est mes collègues. Ah oui, vos collègues valent plus que la vie d'un enfant. Effectivement. Parce que c'est les seuls à pouvoir m'aider à lutter contre vous. Très bien. Oui, ils vont très bien. Tant que vous êtes en vie, ils seront en vie aussi. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça. Vous voulez quoi, en fait ? Je veux juste que vous arrêtez de m'emmerder, c'est tout. Et pourquoi ? Vous voulez, à tout prix, niquer cette ville. Chacun ses passe-temps, monsieur Lowe. Mais je comprends bien. Mais
quand même, faut pas être très net pour avoir ce genre de passe-temps. Vous pouvez pas faire vos affaires dans votre coin, tranquillement, laisser la population tranquille? Non. Donc, vous comprenez bien que je peux pas vous laisser tranquille non plus. Où est l'enregistrement, monsieur Lowe, qu'on en finisse, ou j'appelle mon... J'appelle Tony, ici présent, pour qu'il vous fasse parler. Bon, il n'y a pas d'autres journalistes, ok. Il n'y a donc pas d'enregistrement. Mais j'ai quand même pris... Ah si, il y a un enregistrement, ça. Ne vous en faites pas. Très bien, où est-il? J'ai pris certaines dispositions qui font que si je disparais, cet enregistrement va être envoyé à peu près tous les journaux de Gotham et d'ailleurs. Fais-moi un jet de barrette, hein, s'il te plaît. Je suis pas bon, moi. Je sais bien. C'est Lockhart, ça. Et en plus, là, t'es sous le coup du stress, donc ça va être compliqué quand même de mentir. Ouais, je comprends. Baratin, j'ai 10, hein, de toute façon. Ah, t'as 10. 17. J'étais pas loin. Ouais, ouais. Donc, il répond, Monsieur Lowe, arrêtons, s'il vous plaît. Je vois bien que vous mentez. Est-ce qu'il y a un enregistrement, oui ou non? Vous savez très bien que je peux pas vous dire non si vous me tuez. C'est vrai? Mais donc ça veut dire qu'il n'en a pas. Mais bien sûr que si. Pourtant, c'est ce que vous venez de dire. Vous ne pouvez pas me dire non parce que je vais vous tuer, donc il n'y en a pas. Bah oui, non mais vous doutez bien que je vais pas dire non. C'est ça que je voulais dire. Et mais bien sûr qu'il y en a un, mais je vais pas non plus vous dire où il est, parce que c'est mon seul moyen de pression sur vous. Bon, ça suffit, Tony. Donc, l'autre s'approche vers toi, il a une tenaille dans la main, et il commence à attraper tes mains. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Donc il va te faire une torture qui est pas très, très sympathique, hein. C'est-à-dire t'arracher les ongles. Et pour savoir si tu réussis à ne pas cracher le morceau, tu vas me faire un jet d'endurance. J'ai jeté tout, mais... C'est en haut, ouais. Ok. 40, du coup. Je dois faire moins de 40, mais j'ai niqué tous mes bons jets. Ouais, c'est mort. Hein. Au premier ongle enlevé, tu hurles le fait qu'il n'y a pas d'enregistrement. Il n'y a pas d'enregistrement! Bien, voilà, monsieur Lowe. Très bien. Bon. Moi, j'ai une manifestation à les mater. J'ai des éplins à aller faire voler au-dessus de la ville. À la revoyure, enfin, je ne pense pas, parce que vous allez finir dans le fleuve de Gotham. Mais... Vous irez en enfer, saloperie! Sans doute. Et il s'en va... Allez. Et Tony aussi s'en va ou pas? Oui. Ah. À tout de suite. Peut-être un peu plus. Au revoir. Bien. Yes. Howard, tu entends beaucoup de bruit venant de la pièce à ta droite. Et au bout d'un moment, tu entends... Tu entends ton ami Owen, ton patron surtout, hurler. Il hurle... Il n'y a pas d'enregistrement. Ok. Et après ça, tu vois... Ah oui, mais attends, il y avait le garde qui devait arriver pour toi, c'est vrai. Il y avait le garde que j'avais essayé d'attirer. C'est vrai, je vais zapper ça. Donc, le garde arrive, il ouvre la salle de bain. Qu'est-ce que tu fais? Je lui mets un gros coup derrière la tête. Ok, fais-moi un jet de bagarre. Bagarre. J'ai 70 en bagarre. 30. Pas mal. Il est pas KO, mais il a pris un bon coup. Okay. Il va se relever et essayer de riposter. Il rate. Sous le coup de la douleur, il te met un coup de poing qui passe à côté de ta tête. Tu t'enchaînes avec un deuxième, je suppose. Yes. Vas-y. 35. Pareil, bon, là tu le mets, tu le sèches. Ok.
Est-ce que il a un uniforme spécifique? Non. Ou est-ce qu'il est habillé un peu OSEF, quoi? Non, non, il est habillé en civil. Ok. Par contre, moi, je suis habillé comme avant. Ouais, ouais, ils ont tout n'est pas changé. Tu sens pas, tu sens pas hyper bon, puisque, pour rappel, t'avais nagé dans l'eau de Gotham, hein, mais ouais, bon, pas que vous soyez changé. Il n'y a pas vraiment d'avantage à lui chourer ses fringues, non. Par exemple. Clairement pas. Ok, je vais aller me diriger vers la salle où j'ai entendu des bruits, enfin, je vais essayer. Tout à fait, donc on reprend. Là, tu entends Owen crier. Et tu vois... Tu vois Edward Crane sortir de cette salle. Il y a deux autres gardes qui arrivent vers lui lorsqu'il sort. Okay. Il se dirige vers une porte au fond qui est sans doute la porte de sortie. Et tu l'entends dire, bon, ça finit au fond du port. Non, je vais pas le poursuivre, j'ai des Owen. Donc tu vas dans la salle d'à côté ? Ouais. Hop, hop, hop. Ouais. Je te reprends tout de suite. Bien. Donc, pendant que tu es en train de parler avec ton pote le garde... Vous entendez un peu de bruit qui vient d'à côté, donc un hurlement qui te semble venir de Owen. Uh-huh. Le garde, il écoute un peu, il dit bon, c'est bizarre. Il sort de la chambre. Ok. Est-ce que tu essayes de faire quelque chose ? Ah bah je crie ! Tu cries ? Ah oui, je crie. Très fort. Ok. Bah, crie. à tout à l'heure. Ah ok. Super. C'était pas très utile, hein, mais c'est pas grave. Yes. Très bien. Donc, lorsque tu arrives dans la salle, tu entends un hurlement de Thomas... Et, ah, okay. Et tu vois un garde qui arrive juste derrière toi en fait, et un autre qui arrive par une autre porte qui est à l'autre bout de la pièce où Owen se trouve. Donc les deux te regardent. Qu'est-ce que tu fais là? Ils te pointent leur arme sur toi. Ah oh, merde. qu'est-ce que je vais faire moi? J'ai pas de protection. Y en a un qui est vers moi ou pas? Vers toi, ça dépend de ce que tu dis vers toi. Atteignable? Vu comme t'es, non, clairement pas. Ok. Est-ce que je peux essayer de faire un peu un jutsu pour me mettre derrière celui qui est derrière moi? En tout cas, faire en sorte de l'empêcher de tirer et puis de faire en sorte que le mec en face hésite à tirer sur son pote et tirer sur moi, quoi. Et réalistiquement, comment tu voudrais faire ça? Et quelle action tu veux faire? Bah, je chope le bras, puis une prise de judo, quoi. Je fais passer au-dessus de moi en lui chopant le bras, tu vois, par exemple. Fais-moi un jet de bagarre avec 15% de malus. Ok. Ah, toi, t'es... Je fais 41. Donc, 41, ça passe. Donc, t'arrives à te mettre... à te retourner, en fait. Tu tapes dans sa mitrailleuse. Et t'arrives à le choper par le cou. Qu'est-ce que tu fais ensuite?
Ah ouais, il a une mitraillette, ça va être compliqué. Donc l'autre, il élève un peu plus haut son arme, il dit, tu vas le laisser partir, et on va tous tranquillement arrêter ça. Non, toi, lâche ton arme. Hein, j'ai zéro en baratin, moi, par contre. Hein, je préviens tout de suite. C'est pas du baratin, ça, c'est un ordre. C'est plus de l'intimidation. Ah, mais c'est vrai que j'ai intimidation, par contre. Mais le truc, c'est que est-ce qu'il en a vraiment quelque chose à faire, ce mec ? Bah, c'est à toi de nous dire. Bah. Et tu l'as vu comment je l'ai désarmé. Maintenant, j'ai une mitraillette. Donc, si tu tiens à sa vie ou à ta vie, tu te casses. Ok, ça, et ça avance doucement. Et il prend par le coup aussi Owen. Bon, si tu... je suis la victime là. Bon, si tu veux jouer, on va jouer. Donc tu le laisses partir et tu viens tranquillement te faire menotter ici. Tu sais que je raterai pas ma cible, moi. Je sais que moi, je ne la raterai pas. Je suis nul en arme à feu. Tu veux faire un jet de baratin pour essayer de lui faire croire que t'es bon en arme à feu ? Non, c'est encore pire. Oh, qu'est-ce que je fais ? Ah, c'est vraiment une journée de merde. T'as raison. Moi, je peux essayer de lui donner un coup de tête en arrière, comme ça ? Ou de me libérer, tu vois, enfin, faire quelque chose. T'es pas vraiment au niveau de sa tête, tu peux essayer de lui donner un coup dans la poitrine, mais il va falloir faire un gros succès pour que ça lui fasse vraiment mal. Hein. Ouais, mais j'essaye, de toute façon, je vais pas rester là sans rien faire. Vas-y, tente. Parce qu'il a quand même un... Oh, pas mal. Donc, tu le déstabilises pendant quelques secondes et... Si tu veux faire un truc, Howard, c'est le moment. Comme dit, moi je suis venu en arme à feu, hein, donc je lançais la mitraillette sur sa gueule, ça irait limite mieux. Quoi. Non, mais il faut que je m'occupe d'abord du gars que j'ai dans les mains. Donc je vais essayer d'assommer le mec que j'ai. Que je suis en train de t'attraper par le cou. J'aime me débarrasser de lui. Ok. Donc tu lui donnes un coup avec le manche de l'arme. Ouais. Très bien. Fais-moi un jet de bagarre. La bagarre. 64, ça passe. Il est pas assommé, mais il est à terre. Par okay. contre, l'autre en face, lui, s'est remis. Il est pas hyper content. Et tu ne tiens plus son pote. Ou tu continues de le tenir, même s'il est à terre ? Non. Donc là, il te met en joue. Donc, moi aussi, je le mets en joue. Il lève trois doigts et dit... À trois, tu lâches ton arme et tu te mets à terre. C'est vraiment nul, on tire en arme à feu, putain. Deux. Moi, j'essaye toujours de le niquer, tu vois. Ouais, mais non, je... Ouais. Je jette mon arme. Allez, tant pis. Je risque pas la vie de frérot. Et toi, il te jette au sol, Owen, parce que tu l'as un peu saoulé. Très bien. Donc. Catastrophique. Est-ce que ça casse la chaise ? Non, c'est une chaise en ferraille, je t'ai dit. Oh. Je vais revoir l'autre. Bon, Thomas, il se passe des dingueries à côté. T'entends des hurlements, des bruits de bataille. Tu sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, il se passe des trucs. Ok. Ouais. J'essaye de crier plus fort pour attirer les gens. Et bah, tu réussis. Il y a un garde qui arrive dans la salle. Il dit, t'as fini de hurler, toi ? J'entends crier, j'essaye de faire comme tout le monde. Il te met une tarte et il te détache. Et il te dit, allez, avance. Bah voilà, il y avait qu'à demander, en fait.
Bien, vous êtes de nouveau tous réunis, tous attachés de nouveau. Ouais, on a gagné. Et ils vous font monter dans une petite camionnette. Ah. Entre la chambre qui pue et la camionnette, je crois que là, on cumule, les mauvaises. On aura voyagé ce soir. C'est ça. Et donc, il démarre, vous êtes amené à un endroit que vous commencez un peu à connaître. Hein, l'odeur du port vous est familière. On peut pas parler, genre, dans la camionnette? Ils vous ont bâillonné. Ah. Ah, mais je peux chantonner pour les faire chier. Bah, vous êtes... Oui, bah, si tu veux. Autour de vous, il y a quatre gardes cagoulés. Et donc, ils vous amènent sur le port. Et on va faire un petit truc marrant. On va jeter. Leur demander une clope pour leur faire un coup, ça tue en un coup. Le mec. Non, mais vous êtes bâillonné. Tu peux rien demander. T'as jamais fumé une cigarette à travers un bâillon, toi? Non, en effet. On n'a pas les mêmes poumons, je vois. Donc, le premier qui va être balancé à l'eau va être choisi par un jet de dés. Ah, super. Donc, sur un des 6, de 1 à 2, c'est toi, Owen. De 3 à 4, c'est toi, Howard. De 5 à 6, c'est toi, Thomas. Qui veut lancer le dé? Bah, toi. Moi? Bon, allez. 6. C'est bon. Désolé, Thomas. Et merde. Pourtant, si c'est censé être mon chiffre porte-bonheur, tu vois, c'est pas censé être le chiffre de merde pour moi. Désolé. Ça change. Donc, change. ça révèle beaucoup. Il t'attache à un espèce de bout de béton à tes pieds. Ah ouais, quand même, ils n'y vont pas de pieds effet. Morts. Et il commence à te pousser vers l'eau. Mm-hmm. Est-ce je peux que pas tu... invoquer une armée de pirates. Non. Merde. Là, est-ce que je peux dire... Ah, tu fais bien. Merci. il te met un petit taquet quand tu parles, celui qui est derrière toi qui te tient. Ok. Donc, il te pousse. Est-ce que tu essaies de faire un truc? Est-ce que, de par ma dextérité incroyable de serpent, qui m'a permis de quitter mes vêtements, je peux quitter le truc de béton et mes vêtements par la même occasion? Alors, il y a un truc que tu peux essayer, ça va être hyper compliqué de le réussir, mais t'es sur un port, donc t'as les bits d'amarrage. Ouais. Tu pourrais essayer de caler la corde qui te lie au bloc de béton sur la bite tandis que tu tombes. Ok. Mais ça va falloir qu'il me fasse un gros jet de dextérité à moins 20. Tu peux pas genre te baisser pendant qu'il essaie de te pousser comme ça, il tombe par-dessus toi? Ça marchera pas. Oh. Ça. Ou alors je fais une sorte de pirouette sur moi-même comme une toupie Beyblade et je lui pète les genoux avec le bloc de béton. Ça ne marchera pas non plus. Tu ne peux pas le soulever à un bloc de béton en tournant, c'est pas possible. Je n'ai pas assez de connaissances en physique pour ça. Tu n'as pas assez de force surtout. On m'aurait menti. Bon allez, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça ou pas? Ouais, je tente ta stratégie. Allez, moins 20. Moins 20, mais j'ai... Ah bah attends. Ah, t'as 15? Non, j'en sais rien, je regarde. Attends, c'est quoi? C'est esquive? C'est dextérité. Dextérité. Ah, j'ai perdu ma dextérité, je sais pas où. C'est tout en haut. Ah, il fallait me dire tout de suite. Ah oui, 45. Moins 20. Ah ouais, c'est dur ça. Sur un dé de 100, t'es sûr? Non. Ah merde, j'ai cru que c'était un 7. Hein. Franchement, là, on pourrait croire que c'est un 7. Tu commences à tomber dans l'eau. Ah, super. Et lorsque tu tombes, vous voyez un truc qui vous interpelle. Un des gardes met un énorme coup au garde le plus proche de lui. Et va ensuite commencer à se battre contre les deux autres. Il se prend un léger coup de poing, mais arrive quand même à sécher les deux autres. Enfin, il enlève sa cagoule et... Juste avant, fais-moi un jet d'endurance, Thomas. Voir si tu ne bois pas la tasse. Je suis tu survis. Mais après, en tant que membre du gang des pirates, je peux avoir des branchies. Hein. Non, fais-moi un jet d'endurance. 65 okay, d'endurance quand même. Hein.
15. J'ai... Bravo. Je te dis, j'ai des poumons surdéveloppés, j'ai plus rien. Donc, la personne perd sa cagoule, plonge dans l'eau, réussit à te récupérer et à trancher la corde. Et lorsqu'il te remonte, vous pouvez voir son visage. Il s'agit de Ben Kramer. Vous vous souvenez de Ben Kramer? Mais oui, mais tu vois. Le gang des pirates is back, mon gars. Par contre, il semble hyper différent des fois dernières où vous l'avez vu. Il se tient vraiment hyper droit. Et les rondeurs qu'il arborait, surtout au niveau de son ventre, ont disparu. Et... Oui, il n'a pas bu aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est tout, tu vois, ça change un homme. Hein. Et son visage est beaucoup plus fermé. Ouais, c'était un déguisement. Et... Ben Kramer est l'anagramme de... Et lorsque vous le regardez, il y a une vraie sensation de danger en fait qui émane de lui. Des petites tapes au visage, tu sais, amicales en mode « Oh, ça c'est mon gang des pirates !» Et donc, sans même qu'il ait besoin de dire quoi que ce soit, vous sentez que ce mec, il pourrait vous tuer en quelques secondes s'il le voulait. Non, je capte pas, j'ai trop confiance, tu vois. Et lorsque tu lui mets des petites tapes, il te met un de ses coups de poing. T'as l'impression d'avoir percuté un mur de béton. Et tu vas m'enlever 5 points de vie d'office. Ah oui. Alors attends. Ça veut dire que son coup de poing, c'est 2 balles et demie. Effectivement. Dans le pied. Qui a vite guéri, hein. Qui a vite guéri. Oui, bah oui. Bah oui. C'est son facteur auto-guérisseur, hein. Bon, alors du coup, ça me fait 4 points de vie. J'atteins un niveau de Owen, en fait. Tout à fait. Donc, tandis que lui est dans les vapes, il tourne vers vous deux. Il vous regarde et il dit « Bon, vous avez vraiment été des minables jusqu'au bout. Oui. Depuis le début, vous arrêtez pas de mettre sur mon chemin et vous foirez tout. Singleton, Sionis, Cobblepot, même sa fille. Même sa fille à l'autre là par terre. » Qu'est-ce qu'il y a, sa fille ? Sa fille, je l'étais obligé de la secourir de Crane parce que vous avez même pas voulu aller la chercher. Mais quelle fille ? Non, la fille de Thomas. Il pointe Thomas. Ah. Mais il a pas de fille ! Pas de ça avec moi. Bon. Maintenant, vous allez me faire plaisir d'arrêter de m'emmerder. Et vous allez me laisser m'occuper de ça. Alors, Monsieur Kramer. Et il part sans même vous regarder. Une question pour Monsieur Kramer. Merde. Voilà, bon, c'est pas hyper marrant. Ah ouais, moi je suis. Il m'a quand même foutu un vent. Moi je me suis presque fait des potes. Et donc vous resterez comme ça parce que vous êtes quand même encore attaché, hein. Et baïonné. Ah, moi je suis attaché, j'ai plus de pieds, j'ai plus d'ongles, c'est foutu. Ouais. Mais attends, quoi ? Quelques minutes plus tard, vous voyez une voiture qui arrive. Une personne que toi, Owen, tu ne t'attendais pas du tout à voir, sort de la voiture. Il s'agit de Kara Harper. Que tu n'avais plus vu ni entendu parler depuis que tu as quitté le GCPD. Alors. Attends, c'est pas le. C'était votre partenaire durant... Oui, qui a pété la nuque à quelqu'un, non ? Non, il n'a pas pété la nuque, il avait juste frappé un peu fort. Ouais, un peu beaucoup. Oui, un témoin, donc... Oui. Ah, mais on n'était pas loin qu'il pétait la nuque quand même. Donc, elle se dirige vers vous, elle vous détache et vous dit « Bon, Owen, ça va ?» Non, ça va pas, non. Qu'est-ce que tu fais là ? Alors moi je suis content de l'avoir, hein. Moi je me dis un flic badass avec nous. Je viens de te sauver. Donc tu vas te calmer. Ouais, c'est à cause de toi qu'on en est là. Et donc pour Howard qui ne voit pas trop qui c'est donc une femme, début trentaine, c'est une masse de muscles. Genre même toi à côté t'es un peu maigrelet, quoi. Et elle en impose, quoi. D'accord. Et Owen à côté, voilà, c'est un peu David contre Goliath. Bon, elle dit les All Americans m'ont prévenu, enfin Brooke m'a prévenu d'où vous étiez, ce qui s'est passé. Vous êtes pas blessé?
Ah, tu vois bien mon pied, tu vois bien même mes mains. Enfin, t'as ouais, juste perdu un ongle, mec. Regarde, super. C'est pas important. Bon, toi, oui, tu te réveilles, hein, Thomas, tu te relèves. Bon. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe ici. J'ai un groupe d'anciens collègues de l'armée qui sont là. Et j'en ai d'autres qui doivent arriver dans la ville. Et on va arrêter Crane. Est-ce que vous en êtes? Non mais... ma gueule. J'ai pas T'as compris. Été la première à laisser partir Crane en tapant un témoin. Et là maintenant tu veux l'arrêter? Alors écoute Owen, moi j'ai dû me taper la police de Gotham sous Crane. Je me suis pas enfui comme un espèce de lâche à essayer de chercher. Pourquoi des... je me suis enfui? Parce que j'étais le seul à vouloir l'arrêter. Oui oui, tu l'as très bien arrêté, on a vu ça. Bah j'ai fait avec ce que je pouvais. Ouais ouais, bah tu pouvais pas grand chose apparemment. En effet, mais j'ai deux amis très fidèles. Ouais ouais, c'est ça. Donc vous en êtes ou pas? Bah avec notre tendance suicidaire depuis le début de partie, je crois qu'on va y aller. Après, il y a le gang des le pirate du gang des pirates, notre seul régiment. Un régiment à lui tout seul, soit, tu vois. Je sais pas de quoi tu parles, je m'en fous un peu à vrai dire. Ça a tout l'air d'être un truc de Thomas, ça. Vous venez avec moi, oui ou non? Ouais. Vas-y. Ouais, moi t'as je suis pas déjà intérêt dans... à nous niquer encore une fois. Mais non, mais moi, c'est pour moi, c'est quelqu'un de génial qui va. C'est la personne qui a pris une balle et qu'on a réussi à venger, tu vois. Effectivement. Personne. Donc, elle vous amène dans un espèce de gros fourgon militaire. À l'intérieur, il y a plusieurs personnes, dont un médecin qui va pouvoir vous soigner un peu. Vous allez me faire un... Allez, vous me jetez un dé de 6 et vous regagnez autant de points de vie que vous avez que de score. Est-ce vraiment la peine pour moi? Très bien. Ah, je récupère mes points de vie, moi. Ouais, c'est... Donc vous êtes tous pour au le max. Fun, je pense. Non, toi, Just... Oui, t'as tout, Owen. Donc, Thomas, pareil, t'as tout, il me semble. On ne t'entend plus. Ah oui, j'étais à 12, je suis à 12 max, mais là, j'étais descendu à 4 avec... ah oui, non, donc... Avec le poing sulfateuse... Tu es à 9. Ouais, très donc bien. Maintenant, je suis à 9, oui, c'est ça. Ah bon ? Très bien, très bien. T'as 5, oui, oui. Donc, Kera vous explique. Ce qu'on va faire, on a un... Là, bon, vous voyez, on a un groupe de militaires, on a des armes, on a des gilets pare-balles. On va infiltrer la mairie de Gotham, on va arrêter Crane. Quelques moyens qu'il faut. Et ensuite, on a, dans une heure ou deux, une autre cargaison de militaires qui doivent arriver. Et on va essayer de tenir la ville comme ça jusqu'à que l'armée en plus grand nombre arrive. Alors Kera, tu vas te calmer tout de suite. Hein ? D'abord, explique-nous, qu'est-ce que tu traînes avec les All Americans qui nous ont trahis genre il y a quelques heures ? Ils vous ont trahi, oui et non, enfin... Bon, déjà vous aurez dû savoir en vous associant à un gang que c'était une sale idée, qu'au bout d'un moment ils feraient ce qu'ils ont à faire. Et de toute façon, je ne traîne pas avec eux, ils m'ont juste appelé directement dès qu'ils ont su ce qui s'est passé, puisque j'ai quelques connaissances là-bas. Voilà. Ok. Donc tu traînes avec les gangs. Traîner avec les gangs, c'est vite dit. J'ai juste des indices et je connais des gens là-bas. Très bien. Ok, donc on y va. Bah, c'est parti. Objection. Très bien. Donc, vous arrivez aux alentours de la mairie, un grand bâtiment blanc, trois vrais bâtiments, deux sur les côtés et un comme ça au milieu.
Tous les alentours sont grillés par des... Il y a de la police, des policiers armés. Bon, Kera vous dit, il y a plusieurs moyens de rentrer. On pourrait passer en rappel via le bâtiment d'à côté pour arriver au premier étage. C'est badass, ça me plaît. Est-ce qu'on a des armes? Est-ce qu'on récupère des armes là-dedans? Ouais, ils vous passent des armes à feu et des gilets pare-balles. Roquettes. Non, okay, pas. On a récupéré un téléphone ou quelque chose comme ça? Oui. On parle d'armement, le mec il veut une carte SIM, sérieux. J'ai toujours la carte de Bruce Wayne. Oula. On va dire que. Je l'ai dans mon téléphone. Ouais, mais t'as plus ton téléphone. On va dire que tu te souviens du numéro. Eh ben, je l'appelle. Il ne te répond pas. Ça valait le coup de mémoriser le numéro, hein, tu vois. C'est... Il est un peu occupé en ce moment, Bruce Wayne. Je sais pas ce qu'il a à foutre en ce moment. Je sais pas pourquoi tu veux l'appeler d'ailleurs. Bah pour avoir des moyens. Ah. Pour prendre des nouvelles avant de mourir. Salut Brucey. Très bien. Est-ce que vous suivez le plan d'aller en rappel? Ouais, rappel, c'est cool. Moi, je veux juste des armes, les tonfa habituelles. Ouais, avec Sombrero, on en faisait beaucoup du rappel. Je veux bien croire. Donc, vous montez dans un bâtiment à côté. Les gens qui y habitent vous regardent très étrangement. Mais c'est pas grave. Donc, vous arrivez à installer une tyrolienne. Et on va... Donc, les premiers militaires passent. Et on va faire un... Faites un jet tous les trois. Non, en fait, une personne fait un jet, ça comptera pour le groupe. Allez-y, un jet de quoi? Un jet, juste on verra. Tant que vous faites pas un échec critique, ça devrait aller. Un décent, je suppose. Ouais. Vas-y, j'y vais. 25. Très bien. Je suis content que tu l'aies fait. Vous parvenez de l'autre côté sans encombre, tranquille. Le vent est dans un sens optimal. Donc, vous êtes au deuxième étage de la mairie, dans une grande salle carrée qui donne sur un escalier en face. Il n'y a personne dedans pour l'instant. Les autres militaires vous font signe de les suivre. Et vous arrivez dans un escalier circulaire. Vous descendez. En face de vous, vous voyez, là, il y a l'entrée de la mairie. Et là, il y a plusieurs personnes armées que les militaires font descendre. Et vous continuez d'avancer sur votre gauche, dans un bureau. Et à l'intérieur, il y a Edward Crane. Comme on se retrouve. Et là, pour le coup, son petit sourire narquois lui disparaît de son visage. Il vous regarde. Et vous le voyez qui semble... vouloir saisir un truc en dessous de son bureau. Je lui tire dessus. Très bien, fais-moi un jet d'armée à distance. J'ai 40. Tu lui tires où? Dans la main, dans le bras. Celui qui veut choper le truc. Ok. Ah, dommage. Tu le rates de peu. Mais on va faire le jet pour les militaires. Eux, ils ne le ratent pas. Donc il lui tire dans la jambe, il tombe au sol. Vous voyez que de sa main tombe une espèce de télécommande. Et il est donc au sol. Est-ce que vous faites quelque chose? Je cours sur la télécommande pour la choper. Ok. C'est donc une espèce de télécommande avec des boutons. Tu sais pas trop à quoi elle sert. Ouais. Et je la garde pour le moment, j'appuie sur rien. Ok. Et bon, vous avez 10 secondes pour agir, les militaires. Moi, je cours sur le gars, je cours sur Crane. Bah, pendant que tu cours sur Crane, vous avez genre 10 secondes pour agir, les militaires vont le tuer. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais rien. On va essayer de le mettre à l'abri, non? J'imagine qu'on veut vivant pour quelque chose. Donc. Pas spécialement, hein, il est bien. Est-ce que mort. Je peux le cacher? Est-ce que je peux. Non, mais. Est-ce que je peux le cacher derrière quelque chose?
Ah non, mais les militaires, ils sont dans la pièce. Hein. Là, ils vont lui tirer dessus. Ouais, mais je n'ai pas l'espace en tête, mais il n'y a pas un endroit où je peux le cacher, enfin, que toi qui le seul, à l'abri des balles. Le seul moyen que tu aurais d'arrêter la chose, ça serait de te mettre devant le militaire et de lui expliquer pourquoi tu ne veux pas qu'il meure. Ah ouais, mais ça je sais pas faire, moi. Ça. Bon, moi, tant pis, il va mourir. Non, c'est bon, je vais à l'équipe. Arrêtez tout. Le gars vous te regarde et dit okay, pourquoi? Vous voyez cette télécommande? Ouais. On sait pas à quoi ça sert. C'est la télécommande qui va lâcher le gaz sur les manifestants. Ah, donc c'est bon, en fait la ville est sauvée là. Pas vraiment, parce qu'on pense qu'il y a un autre bouton manuel dans les zeppelins. Monsieur Crane, dites-nous tout. Il appuie sur sa jambe et il dit « Me tuez pas, là, s'il vous plaît. Ouais, il y a un bouton dans les zeppelins. Et qui a accès à ces boutons ? Le commandant. C'est dans la cabine du commandant. Et sous quel ordre doit-il appuyer là-dessus ? Il appuiera dessus quoi qu'il arrive à 15h. Il est quelle heure ? Il est 14h, on va dire 13h30. Oh. 1h30 pour monter dans un zeppelin. Vous avez dit tout ce qu'on pouvait savoir, vous pouvez tirer. Et le militaire tire. Et qui c'est ce commandant ? Le militaire ? Le mec du zeppelin qui doit appuyer dessus. Oh, bah c'est juste un mec qui conduit le zeppelin. Il est où ce zeppelin en fait ? Il va dans le ciel. Ouais, mais... Là, il va où il a décollé du stationport. Ok. Est-ce qu'on a le temps d'aller au stationport là ? On peut y aller en tyrolienne ? Non. Ah. Ah oui, on a une heure et demie là, on est large. Donc, on est large, on fait des tyroliennes au ralenti alors. Là, Kera arrive et met fin à la vie de Edward Crane. Après tant d'épisodes. Bravo Kera, c'était beau. Elle se tourne vers vous, bon, ça c'est fait. Faut qu'on aille aux zeppelins. Allez, on y va. On reprend la tyrolienne en sens inverse. Non, vous prenez une télécommande au cas où. Donc elle laisse... Pour activer au cas où, il le ferait pas, les gars, c'est ça. Elle laisse quelques soldats ici et vous repartez vers l'aéroport de Gotham. Et dans un grand entrepôt, il y a beaucoup de zeppelins. Enfin, beaucoup, non. Il en reste 3 maintenant, donc vous arrivez. Et les autres sont en l'air, déjà. Est-ce que sur le chemin, il y a Kira avec nous ? Oui, elle est toujours avec vous. Est-ce que je peux lui poser des questions ? Vas-y. Qu'est-ce qui t'a pris à soudain retourner de sa veste avec plein de membres militaires et du GCPD ? Parce que moi, j'ai dû subir la police ukraine, tout simplement. Oui, eh ? Et être dans une police de pourri, tu crois que c'est facile ? On l'est depuis qu'on est rentré dans la police. Non, mais toi, tu es parti. Tu ne sais pas ce que c'est, comment c'était maintenant. Et c'est comment ? Même si avant, parfois, on était obligé de fermer les yeux devant certains actes, là, c'était plus la même chose. On était devenu une espèce de milice aux ordres de Crane. C'était pire que tout. Ouais. Moi, je trouve, j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens au GCPD qui voulaient un peu ce genre de dictature. Bien sûr, mais bien sûr, il y a des enflures et il y a une grande majorité au GCPD qui ne voulait pas que ça change. Ça, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et qu'est-ce que vous allez faire une fois que Crane sera hors d'état de nuire avec ses dirigeables ? Bah, les dirigeables, on va les mettre à terre et on va essayer de sécuriser le gaz. Ok, donc vous faites ça par pure bienveillance, il n'y a pas de... Tu crois que j'ai envie de voir ma ville tomber sous les griffes de mecs comme ça ? Tu me prends pour qui ? Ben, je sais pas, je m'attends à n'importe quoi avec toi. Ok. Je dois vous rappeler que je viens de vous sauver, là. Oui, mais c'était intéressé. Intéressé de quoi ? Vous croyez vraiment que j'ai besoin de vous ? Parce qu'on est les meilleurs ! On est la fine équipe ! Est-ce que tu te souviens que j'ai fait équipe avec toi et avec Thomas ? Je sais que vous n'êtes pas les meilleurs. Ouais, bon, on a bien vu ce que ça a donné. Hein.
C'est tout, t'as autre chose à dire? Non. Très bien. C'était déjà bien, c'était vraiment déjà bien. Merci, merci. Donc vous arrivez dans l'entrepôt et montez dans un des zeppelins qui va commencer à démarrer, enfin s'envoler. J'y vais comme un beau gosse. Ah mais on entre dans le zeppelin? Ouais, ouais. Ouais mais il est à terre. Oui, il y en a plusieurs. On tire dedans. Ah, les idées à la con, normalement c'est moi qui tiens. Non mais oui. En fait, il reste trois zeppelins dans l'entrepôt. Et en l'air, il y en a au moins 5-6 qui volent déjà. Ok. Il y a un gros zeppelin et plusieurs satellites qui volent, zeppelin satellite qui volent autour. C'est sûr que c'est le gros zeppelin. Okay. Bah oui, ça. Donc, vous décollez et. On prend un zeppelin où il n'y a personne dedans. Bien sûr, oui, ils sont vides. Ouais. On n'a pas des jetpacks, non, il n'y a pas de jetpack. Kera vous dit, bon, il y a le choix le plus simple, ça serait d'abattre d'un coup de lance-roquette le gros zeppelin. Oh, donc, ça c'est pour moi. Mais... Mauvaise idée. On a peur qu'en faisant ça, le gaz se déverse. Bah oui. Ouais, mais c'est des risques à prendre, et ça, on les prend toujours. Donc, c'est le choix du dernier recours. C'est l'emmener au-dessus de la mer, de l'océan, et de le faire détonner. Mais tu vas faire peur aux poissons avec ça. On dit au revoir à Catwoman. C'est faisable. On peut faire ça. Si on arrive à le détourner, tout simplement, on peut le faire redescendre ici. Mais en faisant ça, on se débarrasse du gaz pour de bon. C'est pas une mauvaise idée. Vous en pensez quoi, les gars? Comment est-ce qu'on rentre dans le zeppelin? Bah, faudrait l'aborder, quoi. Ouais, ça va pas être facile. C'est un truc de pirate, ça. C'est un truc de pirate, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est mon équipe. Allez. Ça, c'est mon équipe, oui. Allez, je vais taguer un petit drapeau pirate sur notre zeppelin et puis on va y aller. Moi, j'ai. Taille pas le zeppelin, s'il te plaît. Je mets une épée dans ma bouche et je me balance. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Voilà, le zeppelin pirate est parti. Très bien, donc vous vous envolez, vous commencez à arriver proche du gros zeppelin. Yoho, gros zeppelin en vue. À l'abordage. les militaires installent un espèce de... De grappin. Ouais, genre un espèce de grappin, ouais. Qui fauche la porte et qui mettent une corde en face. Yes. Donc Kera vous dit, on vous couvre, vous pouvez y aller, si jamais les choses se passent mal, je suis désolé, mais on abattra le zeppelin. Non, vous inquiétez pas, au pire j'ai la télécommande, je vous la laisse. Oui, mais... Qu'est-ce que tu veux faire avec la télécommande? Il y a faire exploser le machin. Oui, mais il y a un bouton manuel à l'intérieur. Mais c'est pour déverser le gaz, c'est pas pour le faire péter. Ok. Nous, notre but, c'est d'aller au-dessus de l'océan. Après, ils font ce qu'ils ont à faire. Oui. Ok. Vous voulez faire un petit jet d'équilibriste pour passer des deux zeppelins? Je n'ai pas cette compétence. Ah non, moi, je fais un jet de tyrolienne. Ouais, bah fais-moi. Un jet de tyrolienne. Genre, t'as la capacité de tyrolienne sur 100, tu vois. Allez, comme tout à l'heure, on fait un jet de 100. Et si vous faites un mauvais jet, vous arrivez des bricoles, quoi. Ok, on fait chacun son tour ou... Non, un pour tout le monde, c'est bon. Ah bah Just, il a réussi pour nous, c'est bien. Très bien. Okay. Vous entrez dans le zeppelin. Ok, yes. En entrant, vous voyez des cuisiniers, des serveurs qui font des tours et des détours. Ok, je les pointe avec mon arme et je réquisitionne leur bouffe. D'ailleurs, ils restent vous regarder pendant quelques secondes sans comprendre. Et par contre... Juste, les armes à feu dans un zeppelin, c'est une sale idée. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont eu des soucis. Oui. Moi, j'ai des armes blanches, de toute façon. Parce qu'en fait, je me demandais, mais parce qu'on était équipés d'armes à feu, donc je vois pas à quel moment on aurait pu changer, tu vois. Ah, t'aurais pu les laisser dans l'autre zeppelin, quoi.
Ah, je ne sors jamais sans elle, tu vois. On sait jamais. Ok. Mais oui, mais oui, donc vous braquez les serveurs et les cuisiniers, qu'est-ce que vous leur dites ? C'est ça. Dites, cachez-vous dans les cuisines et ne sortez pas. Ils vous écoutent sans en demander plus. Ah oui. Donc. D'ailleurs, si vous avez envie, parce que je leur explique, tu vois, le Zeppelin va peut-être exploser bientôt. Mais vous inquiétez pas, les cuisines sont protégées. Mais au pire, allez à la sortie, il y a une ficelle, téléportez-vous vers l'eau. Téléportez-vous quoi ? Une ficelle de téléportation ? C'est quoi ce délire ? Ils vont pas faire ça, mais ils se mettent dans un coin. Il est fou. Allez à la sortie et parlez avec nos amis dans le dirigeable en face. Je leur dis. Ok. Sur votre gauche, vous entendez beaucoup de bruit. Mm-hmm. Est-ce que sur votre droite, vous entendez pas grand-chose ? La proue, elle est où ? La proue, donc. Le devant. Le devant, c'est sur votre gauche. Donc où il y a le bruit. Bah, ouais. Bon bah. Ok, donc allons-y. Je me déguise en cuisinier. Non, ça c'est malin. Oui, bah vas-y, tu te déguises en cuisinier. Moi, je le vois faire et je me déguise en serveur. Mais un cuisinier avec un cache-œil. Ok, vous gardez vos armes à feu ? Oui. Non, je prends des couteaux de cuisine. Moi, est-ce que je suis un cuisinier pirate ? Toi, Owen, tu les gardes ? Moi, je garde. Donc, t'es habillé en cuisinier avec des armes. Alors, à je suis habillé en cuisinier avec des couteaux dans les poches et je prends un plat au pif que je vais apporter là où il y a du bruit. Tu sais, je crois que c'est sur la gauche, c'est ça ? Mm-hmm. Voilà, genre, je me dirige vers le bruit calmement avec mon plat et mes couteaux dans la poche. Très bien. Donc, vous entrez dans la salle. Non, il entre. Hein. Nous, on n'a rien dit. Ah, donc, juste Thomas, oui. Très bien. Oh, tu entres. On attend de voir. Les connards. Regarde pour le hublot. Ah, d'accord, vous regardez quand même. Bon, je vais pas vous virer, alors. Tu entres dans la salle qui est vraiment très grande, au sol des tapis rouges, sur lesquels sont posés des meubles qui coûtent sûrement plus cher que vos vies. Y a beaucoup d'invités, des gens entre deux âges, on va dire, habillés de costards, qui parlent, qui boivent, qui s'amusent en tout cas. Et lorsque tu rentres, ils te regardent même pas. Super, bah je Par je contre... passe... Si tu regardes bien, tu vois qu'aux quatre coins de la salle, il y a ce qui semble être de la sécurité. Des gardes. Ah, des gardes, c'est des caméras vivantes. Ouais, effectivement. Merde. Ils n'ont pas d'armes à feu. Bien, mais alors, ils sont en l'air, mais genre, c'est parce que t'as une sorte de petit étage. De quoi ? Tu dis, ils sont aux quatre coins de la pièce, ils sont... Ouais, mais ils sont dans les coins, quoi. Ils regardent, ils observent. Je fais un jet d'observation pour voir s'il n'y a pas une porte un peu suspecte. Très bien, fait. Pourquoi tu demandes un jet pour ça ? Il n'y a pas besoin. Bah, je sais pas. Porte. Bah, parce qu'il y a une foule quand même, un truc comme ça, tu vois. Enfin, tu vois, je me mets dans la peau du personnage qui ne voit pas vraiment tout ce qui l'entoure. Ouais, bah, fais ton jet, vas-y. Ah oui, c'est vrai que t'as un cache-œil. Ah bah oui, c'est vrai, je n'ai qu'un œil, donc du coup, faut qu'on. Ah ouais, allez, malus de 10. Ah t'es sérieux ? Fallait pas me le rappeler. Mais tu pouvais pas la fermer, Jess. Mais je trouve même pas mon observation, je crois que je peux rien voir. C'est perception. Ah bah oui, mais en plus de ça, c'est pas les mêmes mots. Ah j'ai 35. Ah oui, donc t'es foutu. Donc du coup, j'ai quoi là ? J'ai 25. 25, vas-y. Ouais. 2 ! Je vois à travers les murs. Et en fait, j'ai un cache-œil bionique qui voit à travers les murs, tu vois. Effectivement. Termine du cachet. Donc tu vois tout. Enfin, vraiment, tu vois vraiment tout. Genre les cartes d'identité des gens à travers leur tête. Sans même vraiment savoir pourquoi, en fait, t'arrives à comprendre directement comment est conçu ce Zeppelin, où sont toutes les salles. J'ai compris le futur du MCU, tu vois. C'est ça, tout à fait. En face de toi, donc, tu as une porte qui mène vers un couloir. Et d'après toi, ce couloir mène à tout ce qui est cabine, en fait. Donc toi, tu es dans la salle à manger. Et tu te rends compte que tout ce qui est commanderie ne sera pas de ce côté-là du tout, mais de l'autre côté, d'où tu viens en fait.
Ok, eh bien je me retourne et je préviens mes amis qui m'attendaient sagement parce qu'ils avaient totalement compris mon sens de l'analyse visuelle. Voilà, totalement. Et je repars évidemment avec mon petit plan entre les mains, histoire de faire ma petite diversion, mon petit plan. Juste avant que tu partes, il y a un des invités qui s'approche vers toi et qui te dit « Alors mon bon, quand est-ce qu'on pourrait avoir la suite du repas ?» La graille arrive, frère. Et je me casse. Ok. Tu droppes le plat et tu t'en vas. Non, je le drop pas, je le garde, mon gars. C'est de la bonne. Et on est parti. Ok, donc qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on va se tirer de l'autre côté. Et voilà, je donne mon sens de l'analyse à rayon X vers l'autre côté du zeppelin. Donc vous passez par un couloir. Et vous arrivez dans une salle en demi-cercle où vous voyez, il y a des vitres où on voit l'extérieur en fait, et il y a le le poste de capitaine. Mm-hmm. Et il y a plusieurs gardes qui gardent la pièce. Il y en a combien? Il y en a 3. Ah ok, on échafaude un plan avant de rentrer dans le couloir. Tout à fait. Owen reste à l'écart. Avec okay, son capitaine. Arme. Howard me suit comme s'il cherchait un peu son chemin. Et moi, j'aborde les gardes. Et lorsque Howard entendra une sorte de signal plus ou moins perceptible, il interviendra de son plein gré. Ok. Bah, sachant qu'ils n'ont pas d'armes à feu, a priori. Ils ont des matraques, ça c'est sûr, mais ils ne semblent pas avoir d'armes à feu. Bah moi aussi, donc je vais les frapper. Je vais les frapper très bien. Mais j'attends de voir ce que va faire Thomas. C'est pas votre pire plan. Je garde et je leur demande si je peux passer pour apporter le plat. Apporter le plat à qui? La personne qui se trouve derrière cette porte. Mais le commandant n'a pas besoin de... Il ne mange pas maintenant. Mais si, il m'avait donné un papier qui attestait justement qu'il voulait son plat pour 14h. Donc, est-ce que vous pouvez me tenir le plat? Est-ce que vous pouvez me tenir le plat, s'il vous plaît? Fais-moi un jet de baratin. Ah, merde, non, mais je suis trop fort, tu peux pas test ma puissance non, baratine. Bon. J'espère que tu feras un échec critique. Merde. Non, c'est pas critique. C'est pas critique. C'est pas critique, mais c'est pas loin. C'est ça. Donc c'est il dit non. C'est... Je veux pas entendre ça. Tu repars dans ta cuisine et on verra ça après. Je jette le plat sur son visage pour l'aveugler et je tente de planter un des deux mecs au pif. Vas-y, bagarre. Alors, attention, la bagarre c'est moins bon que le baratin. Ça pue la merde. Hein. Au pire, ils ont que des petites matraques de merde, ça devrait le faire. Alors courir, sauter, c'est pas ça. Arme de mêlée, c'est ça? Oui. Oui, arme de mêlée. Mais je peux pas dire que c'est une arme à feu de couteau? Pourquoi t'as combien en arme de mêlée? 5. Pourquoi j'ai pris des couteaux? Ah, c'est une arme mais non, mais... de jet, à la limite. Arme de jet, j'ai 1. Ah merde. C'est non, pas possible. Juste... Tu prends les couteaux un peu comme des points américains, tu vois. Ça reste des armes de mêlée. C'est... Ah oui, c'est comme ça le pirate, il le tient comme ça pour faire des coups de couteau. Voilà. Ouais. Non, mais je vais tenter le 5, tu vois. Je vais te faire ce genre de truc, ça. Je vais tuer tout le monde en un coup. Ça. Ah, j'étais pas loin. Non, en fait, j'étais très loin. Donc ton couteau passe complètement à côté de lui. Et il te regarde, il est surpris. Et il te chope. Ah. Tu peux me faire un jet d'esquive si tu veux essayer de... Alors oui, je veux bien esquiver, hein, ce serait volontiers. Ah, j'ai 35. Par contre, c'est marqué Dex x 2, 90. Ouais, non, mais ça t'inquiète. Donc j'ai 90? Non, t'as pas 90. Merde. Tentez. Et ça marche, j'esquive mes propres coups. Donc tu esquives gracieusement la chope du gars. Alors ça, c'est l'entraînement au balai russe. Effectivement, mais qu'est-ce que tu fais ensuite? Parce qu'il y a un autre garde à côté.
Je lui fais peur. Comment? Genre... bouh. Et je lui mime le chat qui souffle. Au secours. Et du coup, il est interloqué. Et là, Howard se dit... C'est mon moment. C'est ça le... C'était le signal. C'est ça l'indice, c'est le chat qui... qui feule. Si j'entends Thomas feuler, j'arrive. Ok, t'arrives. T'as Thomas qui est avec son couteau en face de trois gars qui le regardent très bizarrement. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fonce sur l'un d'eux. Mm-hmm. Je leur mets voilà, une... Comment on appelle ça? Une patate. Non mais un spear, comme on dit dans le dealer du catch. Je rentre dedans, quoi. Balayette. Je les fous par terre. Une rouflaquette. Ok. Un coup d'épaule, quoi. Donc un jet de bagarre, s'il te plaît. Un coup de rouflaquette, comme ça. Un petit coup de rouflaquette. J'ai pas de rouflaquette, malheureusement. Je vais les frapper avec mon mulet, ils vont avoir très mal. Ouais. 42, ça passe largement. Tu essaies de mettre par terre lequel? Celui qui est le plus... proche de Thomas? Loin de Thomas. D'accord, donc tu passes devant les deux autres. Ok. Ensuite... Ah, s'ils sont... ah attends, parce que s'ils sont devant moi... Bah, en fait, t'as celui qui est le plus proche de Thomas qu'il a essayé de planter. Et sur les côtés un peu en arrière, t'as les deux autres. Hmm. C'est qui s'est pris le poulet dans la tête? Alors, oui... C'est celui qui est en face de le plus proche de Thomas. Ah non, c'est un autre qu'il a voulu planter. Ah bon? Je m'oppose. Alors j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Il a pas lancé vers le mec puis essayé de le planter? Alors en fait, non, c'est que l'action, ça a été le premier gars. Je voulais qu'il prenne le plat. Il a pas voulu, il m'a un peu débusqué parce que la puissance de mon baratin a été inefficace sur sa personne parce qu'il avait un entraînement sur, oui, sur oui, bref, Tibet pour ça. Et donc, je lui ai jeté le plat pour qu'il prenne le truc sur le visage pour être aveuglé. Et c'est un petit peu mon fumigène, si tu veux. Et l'autre qui était à côté, j'ai essayé de le planter et j'ai esquivé du coup son contre-coup parce que je me suis raté, chose qui arrive souvent avec ma personne. Et j'ai trouvé le troisième gars en étant complètement désarmé et en sachant très bien que mes armes blanches ne servent à rien en réalité à part être une belle décoration de cuisinier pirate. Et donc je lui ai fait peur. Ok, donc t'as un mec qui est devant, qui s'est pris le plateau, t'as le mec qui est sur le côté que t'as essayé de planter, et t'as l'autre. Donc lequel tu attaques, Howard? Celui qui est proche de Thomas, mais qui n'a pas de poulet sur la tête. Donc celui de droite. Car très Howard bien. Est allergique, c'est connu. Très bien, Owen, qu'est-ce que tu fais? Moi, il m'a éjecté du plan, donc... Non, tu es en arrière parce que tu possèdes une arme à feu, a priori. Oui, voilà, tu tires juste pas, en fait. Tu tires juste pas. Moi, je fonce dans le tas, je me mets à courir, je fonce dans le premier que je vois. Oh là là, le mec qui est sur le poulet a encore en plus fait, peur. Déjà, dès qu'il te voit avec ton arme à feu, ils ont un espèce de mouvement de recul. Et ils regardent. Bon. On va se calmer. Y a intérêt, ouais. C'est bon. Bon, laissez-nous passer, on veut voir le capitaine. Fais-moi un jet d'intimidation à plus 20. Ah. Parce que là, ils ont un peu peur pour leur vie. Oh, bien joué. Il a intimidé tous les éplins là. Ah non, mais attends, j'ai fait un D20. J'ai fait un D20, j'ai oublié. Ah, je le disais. Mais tu vois, t'aurais rien dit, mon gars. Non, faut être honnête. 62, ça passe pas. Non. Ça passe pas, mais on veut quand même voir le capitaine. Donc, ils sont pas intimidés. Donc, il y en a un qui va essayer de te choper. Ou choper ton arme en tout cas. Fais-moi un jet d'esquive. Alors. Esquive, j'ai 45. Pouh. Bien joué! Donc tu arrives à faire un pas en arrière tandis qu'il essaie de choper ton arme et il lève les mains en l'air. Ouais. Tu fais attention. Prochaine action comme ça, je tire.
Et l'intimidation marche, hein, parce qu'il voit que t'es... Ouais. T'es assez... t'as l'air assez... assez cinglé. Oui, oui, voilà. Donc, ils se mettent sur les côtés. Et... vous laisse passer, mais je vous dirais peut-être quand même de laisser quelqu'un derrière vous. Pour les surveiller. C'est-à-dire bah pour les bah surveiller, déjà, ouais, quoi. Il les garde en joue avec son flingue. Ou qu'ils viennent avec vous. Ouais. Je donne un couteau à Howard quand même, si Howard veut bien vérifier ses stats. Couteau, bah arme de mêlée, je suis bon. Ouais, ouais bah tiens, prends deux, trois couteaux, tranquille. Technique de Sanjo. Très ça bien. Marche. Donc vous rentrez dans la passerelle du commandement, comme je vous ai dit, des vitres dans une espèce d'arc de cercle, la station où il y a le commandant. Ouais. Il vous voit rentrer tous les six et il vous regarde. Tous les six. Ah non, moi je les garde dans la pièce à côté. Non. Ah d'accord, non, donc tu restes avec eux, d'accord. Donc il vous voit tous les deux rentrer. Ouais. Et donc toi t'es habillé toujours en cuistot. Et t'as mais avec un cache-œil, tu vois, il sait qu'il faut pas déconner. C'est ça, et t'as Howard avec son couteau. Alors, il en a trois. Trois. Et il vous dit, il y a un problème. Ouais. Ouais, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il est où le bouton, là, par rapport à lui? Bah, tu sais pas, il y a un tableau de commande, en fait. Nous réquisitionnons votre véhicule. Ou nous réquisitionnons. Fais-moi un jet d'intimidation, toi aussi, à plus 10, puisque tu es armé et que lui, c'est pas du tout un combattant. Ok, bon, intimidation, je suis plutôt. Malgré la voix que je prends, je suis plutôt bon. Donc 21, ça passe là. Très bien, donc il se met sur le côté et il vous dit. Venez, me faites pas de mal, s'il vous plaît. Ouais. Bon, je me retrouve face aux machines. Ouais. Je réfléchis une seconde. J'entends ce qui se passe à côté ou pas? On va dire oui. Amenez-le-moi, je le surveille. Attends, non. T'es lui demander où est le bouton. On va le garder un petit peu là, on va le faire réchauffer au micro-ondes celui-là. Eh, hey, explique-moi comment ça fonctionne. Écoute, on va pas passer en cours pour savoir comment piloter ce truc-là. On va plutôt lui demander de qui il reçoit des instructions. Ouais. C'est qui tu t'as envie de devenir un pirate de l'air? Non. Rejoins notre clan. J'aurais dû dire oui. Non mais. Je lui demande ce qu'il sait par rapport à la commande d'Edward Crane. Moi, je sais rien du tout. Je sais juste que je dois conduire le Zeppelin et je dois appuyer sur un bouton arriver 15h. C'est tout. T'appuies pas. Là, okay, 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 en fait, il y a un décalage horaire. Il y a un décalage horaire de 24h. Pas, et pas qu'on change la direction. Mais tu vas nous emmener du côté de l'eau. Du côté de l'eau. Oui. Mais là où il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Voilà. Ok, y a pas de souci. La Gotham River. Et donc vous partez dans l'eau. Bah au-dessus de l'eau plutôt. Alors on arrive sur l'eau vers quelle heure? Bon, je sais pas. On va dire qu'il est 15h. Ah bah c'est l'heure. C'est pas l'heure où c'est censé s'activer automatiquement. Non, justement, c'est là que le mec est censé activer le truc. Mm-hmm. Donc est-ce que nous, on l'active, ou est-ce que là, vu qu'on a pris possession du Zeppelin, on ramènerait pas le Zeppelin à Gotham, au risque de le faire sauter là-bas? Non, faut se débarrasser du gaz. Ok. Donc on se débarrasse du gaz. Le Zeppelin dans l'eau, ou alors, juste en fait, y a on le crache dans problèmes. L'eau ouais. Si on appuie sur le bouton, je sais pas si le Zeppelin il explose ou s'il lâche le gaz. Mm-hmm. Donc, alors, mieux pas moi je dis sur ce bouton tant qu'on est dedans. Là qu'il est au-dessus de l'eau, on saute dans l'eau, genre parachute, un truc comme ça, tu vois. Et on l'active au cas où il pèterait. Et c'est pas trop grave, on dirait qu'il y a eu un accident. Oui, alors par contre, revenir à la nage, là vous êtes bon. Peut-être qu'Howard pourrait le faire, mais vous deux vous êtes ouais, incapable, mais il nous portera. Et au pire, on ira dompter des tortues de mer qui nous ramèneront. Moi j'ai déjà vu le monde de Nemo, je sais comment ça fonctionne les tortues de mer, t'inquiète. Alors,
je sais que le Zeppelin est rempli de riches. Oui. Et que j'aime pas trop ça. Ouais. Cependant, on va pas tous les tuer quand même, tu vois. Il y a des cuistots là-dedans. Dit, rappelle-toi, t'es Howard Fincher. Hein. Oui. Bah oui, alors j'aime pas trop les riches. Même dans mon personnage. vu que je suis un gars de la rue. C'est des mecs, voilà. Mais il y a des cuistots et tout, on va pas tuer tout le monde. Ah. On vaut mieux que ça. Donc on va essayer de faire en sorte que ça s'active pas sans tout exploser. Surtout que je sais pas, si ça se trouve ça ferait une catastrophe écologique, j'ai pas envie de tuer tous les poissons dans la mer. Ouais, alors, tuer les riches, oui, les poissons, non. Par contre, j'ai une question pour vous. Il faut choisir, je choisis les poissons. Et les poissons riches, t'en fais quoi? J'ai une question pour vous. Riches que les poissons. Est-ce qu'il y a du vent au-dessus de la mer? Probablement. Mm-hmm. Non mais de toute façon, ah oui, bah, on va loin dans la mer, tu vois. Du coup, non mais le gaz, c'est une idée de merde. C'est pas la Bretagne partout, tu sais. Non mais on le crache. Mais c'est juste, il faut évacuer les gens avant. Donc vous faites quoi concrètement? Faut le poser. Faut au moins le poser dans l'eau. On va chercher là où il y a le gaz, là où il y a les bombes de gaz et... Ah ouais, demande au capitaine. Tu demandes quoi? Les bonbonnes de gaz, elles sont cachées où dans le Zeppelin? C'est pas moi qui m'occupe de ça, je sais pas. Vous avez bien vu des gens embarquer des bonbonnes quelque part? Bah si elles doivent quelque part, elles sont sûrement en dessous. Comment on va en dessous? Bah vous pouvez pas, on est en l'air en fait. Mais il y a toujours une solution. Non. Alors moi je dis, je mets une corde autour de ma taille pendant que Howard me porte avec ses gros muscles. Et je regarde en dessous s'il y a quelque chose. Vu que de toute façon on a viré la porte, hein, on se rappelle que... Tu veux vraiment faire ça? Moi je me dis, on tente, hein. Ok. Mais non. Ok, mais ok. C'est plus simple. Ça me dérange pas. Howard, Howard, t'es chaud. Howard, t'es chaud de prendre le méga risque. Il est pas chaud du tout, mec. Comment dire? Faut pas qu'il y ait un mec qui vienne derrière moi, quoi. Hein, parce que ah, mais Owen, ouais, surveille les environs, là. Il est sur le point de tout faire péter. Allez. Bah, super. Attention! Allez, donc vous faites ça, au voir tu me fais un jet de force. Dis-moi que tes gros muscles sont de confiance. J'ai 70 en force. Tu peux pas te rater. 54. Yes. La Meurthe et Moselle, les gars. Ouais, la mozzarella. Bah vous réussissez, tu arrives à le soutenir pendant qu'il est dans le vide. Littéralement. Ce genre de cascadeur. Je sais pas ce que j'espère tu fais. Que t'as récupéré un couteau pour pouvoir détacher les bonbonnes. J'en ai toujours. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en dessous? Donc, lorsque t'arrives en dessous, tu vois bien des espèces de, ouais, de grosses bonbonnes qui sont accrochées. Ouais. Au moins, il y en a 4. Alors, on est plus sur crane à gaz ou but à gaz là-dessus? Sur des grosses bonbonnes. Ouais, mais ça va péter ou ça va faire peur? J'en sais rien, moi. Ah bah super, c'est pas marqué dessus, y a pas une étiquette, y a marqué un truc genre dangereux ou y a un truc genre toxique. Genre peut faire très peur ou... Y a voilà. Absolument rien. Ne pas inhaler. Ce sont des bonbonnes grises lambda. D'accord, super. Donc gris, ça veut dire que ça peut péter. Tu vois, ça aurait été vert, je me serais dit, ah ça c'est du gaz qui fait peur. Toutes les bonbonnes vertes sont pleines de gaz qui fait peur. C'est bien que les super vilains de Gotham font attention à ces détails. Personnifient leurs bonbonnes. Oui. Donc, est-ce qu'elles sont accessibles pour que je puisse les détacher? En jouant un peu les mécanismes, c'est peut-être possible, ouais. Ok. Alors, est-ce que ces mécanismes nécessitent un outil ou est-ce que je peux le faire comme ça? À la main, c'est peut-être un peu compliqué, mais si tu réussis un jet avec un couteau, ça marche. Si tu réussis un jet de dextérité, ça peut le faire. D'accord. Bon, avec un couteau, en fait, on s'en fout. Alors, attends, je regarde d'abord ma dextérité. C'est en haut. 45. Ah
Ce n'est pas très faisable. C'est quand même le deuxième 92 que tu fais. Hein. Oui, mais j'adore ce département. Tu n'arrives absolument pas à détacher les bonbonnes. Elles ne bougent pas. Ah oui, mais... Et si je jette un couteau dessus? Le couteau tombe dans le vide. La gravité ne fonctionne pas vraiment comme je m'y attendais. C'est dément en science, c'était pas ouf. Hein. Alors je pense qu'en fait, si on arrive à monter le zeppelin dans l'espace et que je jette un couteau, ça pourrait toucher les bonbonnes pour les faire tomber et après on pourrait redescendre. Alors le zeppelin... Howard, en attendant, il est toujours comme ça avec sa... Il est très très fort. Ça, c'est bon, je te remonte ou pas? Est-ce que je pourrais faire quelque chose d'autre? Je peux pas retenter la dextérité. Ah non, là c'est mort. Ouais. Donc en gros, bah, y a plus qu'à me remonter en fait. Et ben on va descendre le zeppelin sinon, hein, ça y est. Voilà, on va descendre le zeppelin. On va dans l'eau, on coupe les liens des bonbonnes et puis c'est bon. Oui, et puis là en fait, maintenant on sait que. Enfin, on est à peu près sûr qu'il s'agit de gaz et pas d'une bombe, tu vois. On laisse la police réquisitionner ce qu'on a réquisitionné. Et on active la bonbonne quand la police est là au cas où, tu vois, pour voir si on ça sait va. Très bien ce qu'elle est, la police, dans notre vie. Bah oui, mais justement, une pierre deux coups. Tu veux faire peur à la police. Tu veux faire peur à la police. Donc vous faites quoi? Bon. Allez. Déjà, je remonte au ward. Ouais, c'est déjà bien. Et on va revoir le commandant et on va lui dire pose ce zeppelin, s'il te plaît. Ok, pas de soucis. Vous lui ramène dans l'entrepôt? Non, dans la mer. Ouais, non, pas l'entrepôt. Il risque d'y avoir des renforts là, ça pue. Et vous voulez que je le pose où? Alors, Métropolis, c'est plutôt bien gardé, je pense, tu vois. On parle jamais de la corruption à Métropolis, du coup, je pense qu'on peut faire confiance à ces gens-là. Alors, vous êtes aux États-Unis, un truc non identifié qui vient sur les côtes, c'est jamais bien reçu. Oui, mais à Métropolis, tu vois, ils sont gentils, ils disent « Excusez-nous, s'il vous plaît, on ne vous reconnaît pas, veuillez vous retirer, s'il vous plaît. » Et on leur explique un petit peu la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons, tu vois. Il y a un dialogue qui peut se faire, ils envoient pas les missiles tout de suite, tu vois. Je crois pas des masses, mais... C'est quoi le... Est-ce qu'il peut... En cas d'urgence, qu'est-ce qu'il est censé faire avec le zeppelin? Est-ce qu'il peut le poser dans l'eau? Comment il évacue les gens? Attends, je vais demander à Google comment on peut s'occuper d'un zeppelin. Parce qu'en gros, j'aimerais qu'il fasse les étapes d'une urgence. Mais tu vois, on n'y pense pas, hein, mais il y a des personnes, tu vois, toutes les personnes qui travaillent dans les forces de l'ordre, elles doivent être au courant de ces choses-là, de comment fonctionne un zeppelin pour réussir à l'arrêter. Bah lui, il doit savoir. Il a le téléphone, là. Lui, sa meilleure arme, c'est le téléphone, il appelle tout le monde. Moi, je suis allé au téléphone. Avec que des gens. Là, moi, je dis au gars, bon, prenez ce flingue, surveillez-les, moi, faut que je passe un coup de fil. Ok, vas-y. J'appelle notre pote Chiara. Oui, mais on va dire que vous avez du matériel militaire, si tu veux l'appeler, t'as un Toki ou un truc comme ça. Oh, bah, j'appelle. Si j'avais su. Oui. Alors, elle nous écoute. Bon, on a réussi à prendre le contrôle du zeppelin, on est au-dessus de la mer, le problème c'est qu'on peut pas détacher les bonbonnes. Vous avez un plan? Vous avez essayé d'appuyer sur le bouton? Alors, non, mais c'est, je pense, une très mauvaise idée. Pourquoi? Bah, imaginons qu'il explose. De quoi explose? Bah, c'est appuyer sur le bouton, ça lâche le gaz. Ouais. S'il y a du vent? Ah. Oui, en effet. Heureusement qu'on a eu l'idée. Hein. On est bon quand même. Quel coup de génie. Revenez à l'aéroport, tout simplement. Et on est sûr que c'est sauf, au moins, l'aéroport Oui, oui, là, j'ai des troupes qui vont arriver, il n'y a pas de problème. Bon, ben... On y va. Ok, go. On va faire confiance. Donc, ça fait une demi-heure qu'on se casse la tête à cause du zeppelin. Quand même. On prend des risques de malade pour rien. Il a failli mourir trois fois, Thomas. C'est vrai, il fait pas confiance. La flotte de Zeppelin revient vers l'aéroport.
Vous êtes accueilli par une bonne trentaine de militaires qui mettent en joue les personnes qui en sortent, donc tous les invités ainsi que les gardes. Et il y a des troupes de démineurs qui vont enlever les bonbonnes de gaz. Mais pas de raison pour s'emmerder. Eh bien, super. Kira s'avance vers vous et vous dit bon, c'est du bon travail. Bah oui, heureusement qu'on était là. Vous avez rien foutu. Ah, on va dire ça. Bon, je pense que vous pouvez aller vaquer à vos occupations. Et on a réussi. Bah. Ah ouais. Il y a pas de remise de médaille d'honneur, truc comme ça. Du pognon, ouais. Ouais. Le pognon, on verra après, mais on. Nous, on a tout perdu dans la chasse à Crane, ok? Putain. Nos enfants. Enfin, ça, il le sait pas, mais. Nos enfants, notre vie, tout. On verra pour mettre en place une histoire officielle sur ce qui s'est passé avec Crane. Et peut-être que Gotham Investigations pourra gagner un peu de crédit là-dedans. Ah, parfait. C'est ce que je voulais entendre. Bien. Donc, et pendant ce temps, je suis en train de monter un groupe avec les cuisiniers que j'avais enfermés dans la cuisine pour faire deux, mais pour monter le gang des cuisiniers pirates. Et en fait, avec eux, on aura, tu vois, une sorte de groupuscule des cuisiniers, une sorte de firme cachée, tu vois, discrète, infiltrée dans Gotham, en rapport avec Gotham Investigation, et ça donnera à Thomas Lockhart une nouvelle raison de vivre à travers la cuisine, tu vois. Tout d'ailleurs, Kira, maintenant que j'y pense, on peut vous emprunter un petit dirigeable ? Pourquoi faire ? C'est fou. C'est un projet personnel qui me tient à cœur. Pour combien de temps ? À vie ! À vie ! J'en étais sûr. Écoutez, ils sont pas à moi, j'en fous. Vous verrez ça avec l'armée. Hein. S'ils sont contents ou s'ils sont pas contents, ça sera votre problème après. Oui, ben ils ont pas besoin de le savoir. Vous inquiétez pas. Oui, mais ça se voit, un dirigeable en l'air. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est pas un problème. Merci. Très bien. Donc, on va faire une petite ellipse. Deux mois passent. La version officielle sur ce qui s'est passé, les événements de cette fameuse semaine étaient établis. Il s'avère donc qu'une petite équipe de détectives de Gotham Investigations, ont découvert les machinations du maire Howard Crane, qui voulait apparemment Edward Crane. Qui voulait gazer toute la ville d'une substance inconnue, et c'est grâce à leur intelligence et leur vivacité d'esprit que l'armée a pu intervenir à temps pour sauver la ville de Gotham. Donc, ils ont reçu la clé de la ville et c'est devenu l'agent de détective la plus connue de Gotham. On est tellement famous. Et c'est là-dessus que notre campagne se termine. Non, 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 non. Moi, pour l'anniversaire de Thomas Lockhart, je lui offre un magnifique zeppelin pimpé. Pirate. Ah, il m'a tué tout ça, mon gars. Ouais. Ah, excellent. Alors, il est possible qu'il se fasse abattre par l'armée, mais c'est beau. Oui. C'est comme ça que Thomas va mourir le jour de son anniversaire. Voilà. C'est terminé. Et comme... Avec, incroyable. On a survécu tous les trois. Mais j'aime bien comment Cleyan jubile dès que je risque ma vie. Franchement, je pensais vraiment que vous alliez mourir. Et en vrai j'étais gentil parce que Owen, j'aurais pu te tuer au début. Hein. Mais non. En vrai, Owen, j'aurais fait ce que t'as fait au début, il m'aurait tué. Si, oui, mais moi, tu vois, moi, on avait un antécédent avec Crane, tu vois. Et s'il avait voulu me tuer, il l'aurait fait largement.
Voilà, est-ce que vous avez des questions sur le scénario, sur ce que vous avez raté, ce que vous n'avez pas compris Demandez. Ah, j'ai été fidèle à moi-même, et c'était bien. Et est-ce que vous avez aimé... Il est devenu quoi, Kramer? Ah oui, c'est vrai. On n'entendra plus jamais parler de Kramer. Et quelques jours après la mort de Crane, Bruce Wayne réapparaîtra en ville, étrangement. Mm-hmm. Et Batman suivra. Et n'empêche, on peut dire que j'ai recruté Batman dans mon gang des pirates. C'est vrai. Vraiment. Bonjour Étienne. Donc, est-ce que vous avez apprécié cette petite campagne? Ah, c'était génial. Ouais. C'était génial. Bon, je suis content. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la diversité des soirs. Complètement. Où on a eu un coup horreur, on a eu un coup où on a fait de la merde, mais bon, ça. Et tu vois, c'est un genre, hein, faire de la merde. Ah, c'est votre c'est genre, effectivement. C'est compliqué de faire autant de la merde que nous. Il y avait un côté et un peu ouest. C'était un peu plus action. Monsieur. Donc, ouais, c'était. C'était une bonne fin. Bah, étrangement, c'était une bonne fin pour eux. Ouais. Ouais. Mais ouais, on l'a toujours dit qu'en fait, on n'avait jamais fait de mauvais choix. Tu vois. Non, mais c'était que des réussites. Mais ça avait l'air d'échec parce qu'on dissimule les choses. On est trop bon. Si on avait réussi avant, on n'aurait pas réussi la fin. Ah oui, ils reviendront peut-être d'une façon ou d'une autre, ces personnages. Genre, Kara Harper, elle a fini par revenir. Voilà, ouais. Et Thomas Stuckart pourra revenir. J'attendais le revival de Mocha qui venait faire Kira, mais c'est jamais arrivé. Ça aurait pu, mais bon. Voilà, donc pas plus de questions sur ce que vous avez pu rater ou... Alors non, moi je pense qu'on n'a rien raté. Hein. Vous avez raté tellement de choses. À part mon opportunité de début à 1% de chance. Ouais. Non, mais vrai, moi, qu'est-ce que tu aurais fait? À chaque fois que Thomas avait envie de faire un truc, j'avais envie que ça réussisse. Ouais, mais qu'est-ce que tu aurais fait si j'avais fait 1? Alors on parle de quoi là? Le truc tout au début, comme quoi je baratinais sur le fait que j'étais dans le plan. Ah oui. Qu'est-ce que j'aurais fait? Tu serais rentré dans la base. Alors, c'était qui? C'était les mecs de Black Mask, il me semble. Ouais. Bah, tu serais rentré avec eux dans leur club. Et je suppose que les deux autres auraient fini par te rejoindre, mais ça aurait été un peu chiant pour toi, parce que tu n'aurais pas fait grand-chose pendant un bon moment. Oh, tu me diras, j'ai pu me taper la discute avec un mec, quoi. C'est vrai. Et au final, il m'a posé aucune question. C'est vraiment le pire gars pour un interrogatoire, ce type. Enfin, je ne sais pas qui l'a engagé. Il ne voulait pas t'interroger, en fait. Ah, il voulait faire quoi avec moi? Il te surveillait juste. Ah. tu sais quoi, franchement, ça c'est un truc qui m'a déçu. Je m'attendais à ce qu'il me pose des questions et que je puisse lui répondre. Ah non, mais avec. Crane savait pertinemment que t'étais pas intéressant. Hein. Super. tu vois, j'étais content sur la fin, puis là t'es en train de me déprimer. Moi, pendant mon interrogatoire, j'ai quand même essayé de vous sauver. Hein. Il a été torturé. Bah oui, mais lui, il a perdu des ongles. Il n'en a perdu qu'un. Ça va. Oh. C'est déjà beaucoup, ok. Il a craqué au premier. 10% de ses ongles de main ou pied, je sais plus. C'était pied, toi, non? Toi, les pieds, t'as pris cher. Ouais, il a pris main et pied. Je me suis tiré dessus. Ah oui, c'est chaud. Bon, voilà. Mais oui, vous avez raté quand même beaucoup de choses. Étonnant. Tous les autres gangs, en fait, vous avez jamais essayé de... Moi, je suis déçu de pas avoir pu contacter Bruce Wayne, quand même. C'est étrange. Mais Kramer, Kramer, j'ai pas du tout prévu de le faire faire quelque chose en fait dans le scénario. Je voulais juste qu'il soit là en mode que vous me demandiez en fait, mais c'est quoi ce gars? Pourquoi il est toujours là? Je sais pas, moi j'aimais bien. En vrai, c'est drôle parce que quand tu nous as mis de côté avec Watch juste avant, on disait ouais, de toute façon, le gang des pirates, il va servir à rien, on a qu'un vieux pochetron dedans. Tu vas faire revenir. Non, mais ouais, j'avais pas du tout prévu de le faire revenir, mais au bout d'un moment, vous faisiez tellement n'importe quoi qu'il fallait qu'il agisse, quoi. Mais tu avais prévu que ce soit Batman avant ou pas? Ouais, c'était, pour moi, c'était Bruce depuis le début, mais voilà. D'ailleurs, j'avais fait un petit clin d'œil à Irwan, parce que si vous vous souvenez bien, la première fois que je l'ai décrit, il a une cicatrice sur la joue,
Et dans Year One, donc, Bruce, avant qu'il ait son costume de Batman, il se déguise en mec avec une grosse cicatrice et un bonnet. Quand il croise ses lunettes pour la première fois. Et voilà, j'avais prévu ça depuis le début, mais pour moi, c'était juste le gars qui devait être là tout le temps quand où que vous soyez. Il ne devait pas intervenir. Juste pour que vous disiez, mais attends, pourquoi il est toujours là, lui ? Mais je trouve ça choquant aussi qu'on ne l'ait pas vu à la fin, parce qu'il nous a dit, faut arrêter vos conneries, ne vous mêlez plus de ça. Puis au final, on n'a fait que se mêler de ça, tu vois. Oui, alors, il était peut-être sur le dirigeable ou sur un autre, quoi. Il y avait des dirigeables satellites autour de vous, pour rappel. Ouais, il servait à quoi, d'ailleurs ? Bah, il y avait du gaz dans cela aussi. Donc en fait, c'est pas du tout une happy ending. Super. Mais non, mais on a ramené tous les dirigeables. Oui, ils sont tous redescendus. Mais si vous aviez juste désactivé ceux du gros, ouais, là, ça aurait pété, ça aurait été très drôle. Mais les gens, dans les autres dirigeables, il n'y avait pas un capitaine qui devait appuyer aussi sur un bouton. Non, il n'y avait personne dans les autres, c'était des satellites. C'était des plus petits ou qui étaient automatisés, qui suivaient le gros, en fait. Ok, ok. Putain, mais t'imagines la merde qu'on aurait foutu. Donc voilà, je suis content que ça vous ait plu. Si ça, voilà. Bah merci. C'était très cool de nous avoir initié à ça. Ouais. Bah de rien. Un scénario original en plus. Bien sûr. Tout à fait. On reviendra très vite, j'espère en septembre, on verra. Petite exclu, même pour une partie de l'équipe, on reviendra, j'espère en septembre, avec un quatrième membre. Et je vais même dire une joueuse. Et donc, j'ai très très hâte d'avoir un nouveau membre, surtout une joueuse, et d'avoir une personne un peu moins... Comment dire ? Voilà. Qui part moins en couille, peut-être ? Peut-être. Voilà. Probable. C'est probable, je pense, ouais. voilà, donc j'espère que vous qui regardez qui avez regardé la campagne, ça vous a plu aussi. Moins bras cassés, tout à fait, j'aimerais beaucoup. Etienne trouve les mots. la suite, ce sera sûrement pas une suite en fait. On verra si on reprend certains des persos, mais je voudrais faire un truc qui soit. Que tout le monde puisse prendre. Sans avoir vu le reste. Peut-être avec des petits clins d'œil par-ci par-là, on verra. Ouais. D'ailleurs, avec Sledgy, on a discuté un petit peu en off d'un nouveau personnage. Et en fait, j'ai encore imaginé pire. Sledgy a eu un aperçu. ça promet. Même si Thomas Lockhart, en vrai, restera dans la légende. Bien sûr, à tout jamais. Il est pas mort. De Six Planets a eu Watchful, il a eu aussi Thomas Lockhart. Il n'est pas mort, il peut revenir dans le prochain, hein. Ouais. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la suite et bonne soirée, bonne journée. Allez, salut. À plus. Et restez jusque après le générique. Ah. Ouf.